fin des lectures d'octobre. Vous m'excuserez si je suis dégoulinante, mais je pense comme tout le monde, nous avons droit à un retour de la chaleur. Super. Et donc, dans l'appartement, il fait donc 27. Ah, que du bonheur. Voilà, on est reparti en été. Et sous ça, c'est ce que j'ai lu au mois d'octobre. Sachant qu'il y en a deux que je vous ai je ne vous ai pas présenté, ces deux BD, et un que je n'ai pas lu, qui sont Les Trois Épouses de Blake Nelson de Kate Quinn, que j'avais présenté, que j'avais pensé lire au mois d'octobre, mais comme j'ai rajouté deux BD et un roman, bah, c'est celui qui est passé à la trappe, parce que c'était celui qui me donnait, alors, très envie de le lire, qu'on soit bien d'accord. Mais j'étais pas dans l'humeur du moment pour le lire, donc je l'ai rebasculé au mois de décembre, parce que vous savez qu'au mois de novembre, c'est le Black November, et donc le Black November, forcément, enfin je sais, je pense pas que ça cadre. S'il y a un meurtre, mais enfin bon, en tous les cas, ça cadre. Ah si, il y avait une maison. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça sera. Non, je suis même pas sûre qu'il y ait une maison d'ailleurs. Enfin, je sais plus. Mais enfin, en tous les cas. Je le lirai au mois de décembre. Voilà. Donc j'ai fait ma pile à lire de Black November, The Black November. La vidéo arrive ce mercredi. Enfin, vous, pour vous, mercredi qui vient. Moi, je tourne donc jeudi soir. Nous sommes le 27 octobre. J'ai tout fini. Donc je me suis dit que c'était pas la peine j'attende la veille pour le poster le dimanche. Donc vous l'aurez, vous, dimanche soir à 18h. Et on commence tout de suite. Alors je vais commencer forcément par les premiers lus, hein. Alors vous m'excuserez si j'ai un peu oublié. Quoique non. Mais bon. Voilà. Alors premier lu, c'est celui qui était en rattrapage de septembre. Donc c'est les otages, je vous le mets bien, contre histoire d'un butin colonial, Taina Tervonen. Donc c'est chez Mark Yali. Pour la petite histoire, je devais le recevoir en service de presse parce que généralement, voilà, c'est rare qu'on me les propose, mais l'attaché des presses me propose de temps en temps cette maison. Je vais le recevoir, je ne l'ai jamais reçu. Voilà, j'en ai reçu un autre qui passera sûrement en décembre aussi. Voilà, mais c'est rare ici, mais là, je l'ai acheté. Donc là, on est avec un auteur qui est finlandaise, qui a passé ses 15 premières années de sa vie au Sénégal, donc qui a entrepris d'enquêter, de faire une contre-enquête sur, en fait, le vol, pillage, spoliage, barrer les mensonges inutiles ou utiles. Sur un butin qui s'est écoulé en fait en Afrique de l'Ouest et notamment dans une bande qui est désormais maintenant comprise entre le Sénégal et le Mali, notamment un sabre qui était le symbole en fait de certaines tribus, de certaines assises de personnes respectées qui étaient là depuis on va dire la nuit des temps et qui géraient les contrées, les tribus, les terres, les lieux. Et en fait, elle remonte littéralement comme une enquête policière entre la France, le Sénégal, le Mali, les musées. Elle va voir des personnes qui sont des chefs de clan, qui sont des chefs de village, pour avoir la tradition orale, puisque c'est beaucoup la tradition orale, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et elle nous dresse un tableau de ce qui s'est fait pendant la colonisation, tout du moins l'occupation de certaines parties du monde par d'autres pays, quel que soit le pays. Bon, là, en l'occurrence, c'est la France. Et elle explique effectivement qu'il y a des choses qui sont parties dans des musées, notamment, principalement pour protéger les œuvres ou pour les exposer pendant les expositions universelles, mais que bah, c'est jamais revenu dans le pays sous prétexte de les protéger en gros ou de les mettre dans les musées pour qu'ils soient à l'abri, même si en faisant un petit inventaire, il y a des choses qui ont disparu. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est un livre très intéressant. Ce n'est pas un coup de cœur pour la bonne et simple raison que il y a par-ci, par-là. Bon, la raison sur le fond, on va pas épiloguer sur l'histoire, mais il y a quelquefois des petites il y a des petits moments où elle nous donne une leçon, où elle se pose en moralisatrice, en donneuse de leçons. Alors moi, ça ne m'a pas gênée des masses, sauf que deux, trois fois, j'ai levé les yeux au ciel en disant oui, ça va, c'est bon. Voilà, parce que en fait,
C'est vrai que de sa perspective, quand on vit en Afrique et qu'on va à l'école francophone, il y a des pans d'histoire que les Français de métropole n'apprennent pas. Voilà, je parle de métropole. Parce que par exemple, Archinard, Maje, etc., c'est des noms que j'avais appris, que j'avais entendus et que j'avais appris parce que j'avais un grand-oncle qui s'intéressait à la colonisation, à la décolonisation. Mais uniquement parce que c'était son dada. Voilà. Mais honnêtement, je pense que ça a dû être peut-être mis dans un manuel scolaire en bas à droite, derrière la feuille, enfin derrière le pliant de la feuille. Mais c'est pas quelque chose dont on parle enfin, régulièrement et normalement. Alors peut-être maintenant plus parce que voilà, il y a plus de choses qui doivent être inclusives et qu'on veut absolument rentrer tout dans les manuels. Mais voilà, il y a des petites choses qui m'ont gênée parce que je me dis, oui, ok, d'accord, on sait, au bout, on a été de vilain, mais comme je le dis souvent, moi, je veux bien demander pardon à quelque chose, à quelqu'un, à un peuple, etc., pour ce qui s'est passé sur quelque chose, mais je n'ai pas à m'excuser parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Donc moi, je veux bien demander pardon au nom d'un de mes ancêtres qui aurait fait une saloperie, mais je ne m'excuserai pas parce que, enfin, je demanderai pas, je présenterai pas mes excuses parce que ce n'est pas moi qui ai conduit là. Voilà. Et le fait que plusieurs fois on vous rappelle que les Français, on a fait des choses abominables, on a fait des choses pas bien, on a piqué des choses, on a spolié, etc. Ou c'est joli, c'est méchant, il faut faire. Voilà. Ouais, ok, d'accord, ça va, on a compris. Voilà. Alors, sinon, mis à part le côté un peu moralisateur, l'enquête est vraiment très passionnante. Elle rencontre des gens qui vous apprennent beaucoup sur les traditions orales africaines, sur ce qui a de la valeur à leurs yeux et ce qui pour nous n'est qu'une pièce d'art, qui n'est pas compréhensible par nous avec notre culture européenne et médiévale, etc., mais qui pour eux symbolise quelque chose de rattachement au continent. Voilà, donc il y a plein de petites choses et il y a quand même une phrase et on voit que l'Afrique est quand même le berceau de l'humanité pour ça et de la sagesse. C'est que y a un proverbe africain qui dit on ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où on vient, en fait, en gros. Voilà, donc ce qui prêche un peu pour ma paroisse, je dois dire, voilà. Mais je vous dis, j'ai vraiment passé un très très bon moment à lire ça parce que c'est passionnant. Elle va dans les archives militaires, elle va aller à les archives des bibliothèques, elle va partout où elle doit enquêter justement sur ce butin. Alors on apprend effectivement qu'il y a des choses qui ont été redonnées, mais un peu sous le style, bon, je te le redonne, mais tu. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été spoliées. Alors oui, bien sûr. De tout temps, tout le monde a spolié tout. Hein, on est bien d'accord que le vainqueur gardait le gros du butin. Hein, voilà. Mais il n'y a pas que nous. Voilà, bah, il y en a beaucoup. Mais comme je vous dis, bah, de temps en temps, bah, ça fait pas de mal. Mais voilà, quand on est au courant, voilà. Voilà ce qu'elle a tout fait, tous les pays, bon, toutes les villes en France, bien sûr, et tous les pays. Enfin, en tous les cas, l'Afrique de l'Ouest qu'elle a arpentée, elle parle effectivement des musées. Hein, donc Fréjus, Aix-en-Provence, Le Havre et Paris, dont le musée du Crêt Branly, qui regorge de beaucoup de choses. Donc, qui ne vous fera peut-être plus voir certains musées de la même façon. Mais voilà, c'est intelligent, intéressant. Juste un tout petit peu un truc de moralisation, mais voilà. Mais elle a un œil étranger, elle est finlandaise, donc elle voit ça différemment, je pense. Même si dans son propre pays, il y a quand même des communautés qui ont été spoliées et bien asservies aussi et colonisées. Alors, deuxième roman, enfin deuxième livre que j'ai vu, parce que c'est pas vraiment un roman, c'est une enquête, même si ça se lit comme un roman, c'est Le regard de Jeanne, Jean-Guy Soumis. Donc, c'est aux presses de la Cité, si je ne m'abuse, je vais encore dire des bêtises, hein, vous avez le droit de me taper, non, presse de la Cité. Alors, je dois avouer que je l'ai acheté uniquement parce que dans le résumé, il parlait de Corrèze, de Limousin, d'Auvergne, de Dordogne et surtout de photographie. Et étant une fan de photographie depuis que j'ai 7 ans, je dois avouer que j'avais envie de voir justement ce regard de Jeanne qui est. Qu'on suit à peu près enfin, en tous les cas, à partir de 1860, donc, où il y avait ces photographes ambulants qui passaient de foire en foire, de village en village, de grands domaines en petits
bourgades et lieux-dits, et qui prenait des photos, alors évidemment sur verre, hein, enfin sur ce plaque de verre, hein, on n'en était pas au numérique avec Photoshop, mais c'est une technique, et si on apprend à faire de l'argentique, on peut tout faire sans retoucher. Et on va suivre cette jeune femme qui vient d'un milieu modeste, son père, sa mère meurt, son père aussi, sa marâtre va la virer chez des paysans qui l'exploitent, qui ne sont pas gentils, véritablement, et dont le monsieur aimerait bien faire son 4 heures avec la demoiselle, qui est toute jeune. Et donc un jour, elle en a marre, elle s'en va, et elle croise dans le bourg le plus proche où elle est arrivée un photographe ambulant qui s'appelle Florimond. Elle insiste un petit peu, il veut pas trop l'apprendre, il veut pas d'apprenti, il est seul, il est bien en tant qu'itinéraire seul. Bon, petit à petit, il va l'apprendre comme apprenti, il va lui montrer le métier, et donc on va suivre cette jeune femme, Jeanne, qui va découvrir la photographie, qui va découvrir aussi l'itinérance, mais aussi le point d'attache, puisque l'hiver, il le place à Clermont-Ferrand dans sa boutique. Et au fil des pages, va se nouer une relation entre deux qui est plus au niveau filial pour lui, et elle n'a jamais rien connu. Et donc elle interprète assez mal les signes, on va dire, d'affection et d'amour, mais pas d'un amour charnel ou passionnel. Et donc elle s'imagine quelque chose. Alors évidemment, c'est un roman, ce qu'on dit, régional. Donc, vous imaginez bien qu'il va avoir une histoire d'amour, contrariée ou pas contrariée, vous verrez bien, qu'il y a un secret qui va être levé. Alors, honnêtement, moi, la moitié du livre, même pas la moitié du livre, je savais déjà quelle était l'histoire de Florimond, ce qui allait arriver à Jeanne. Il n'y a rien qui m'a surpris dans le déroulement de l'histoire. Par contre, moi, ce que j'ai aimé, c'est justement, entre guillemets, la découverte de la photographie, c'est-à-dire tous les techniques, tous les petits produits, les arrangements, la chimie qu'il fallait faire, et puis aussi arriver chez quelqu'un qui se méfie un peu de cette boîte bizarre, mais qui va subjuguer ces gens d'abord, premièrement, et les émerveiller dans un autre temps, parce que ils vont voir le résultat sur la photo, et aussi les sublimer. Voilà, parce que ils payent. Alors, pas tous, parce que les gens plus pauvres, ils ne les faisaient pas vraiment payer. D'ailleurs, c'était les riches qui payaient pour les portraits des gueux. Mais c'est aussi de les sublimer, de leur trouver le meilleur éclairage, de jouer avec la lumière, avec les habits que les personnes ont, de jouer avec ce qu'ils reflètent. Et l'œil d'un photographe, quel qu'il soit, mais un bon photographe, je dis on volontairement, on a la possibilité de voir la photo avant. Et on est capable de capter l'humeur et la façon de parler avec l'autre personne, celle qui va être photographiée, pour la mettre en confiance et oublier qu'il y a un appareil photo devant elle. Parce qu'en fait, les meilleures photos que vous faites, c'est soit vous les faites au dépoté parce que tout le monde vous a oublié. Alors les photos de mariage, c'est génial, c'est que vous vous faites fondre dans la foule, vous vous faites oublier, vous faites pas les photos toutes les 5 minutes partout en figeant la mariée parce qu'elle stresse, parce qu'elle a peur d'eux. Les meilleurs trucs, c'est ça. Voilà, c'est de se faire oublier et de prendre des photos à la volée, comme ça, de prendre des instants, de prendre des petites choses. Et les personnes oublient que vous êtes photographe, et donc ils vous font confiance, et donc ils se détendent, et ils offrent l'âme qui est derrière. Voilà, parce que généralement c'est ce qu'on dit, l'œil reflète l'âme, et généralement vous arrivez à capter des beaux choses. Alors c'est un roman très agréable à lire, très facile, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de surprise, enfin en tous les cas pour moi, peut-être que pour vous, si vous lisez, vous serez surpris par les révélations. C'est un portrait de femme de la deuxième partie du 19e. Alors un peu à la mode actuelle où tout doit être modernisé parce que voilà, il y a des choses qui, je suis désolée, hein, mais il y a des choses qui, quand vous étiez une femme seule sur les routes, voilà, même si vous l'aviez à la tête, photographe, machin, il y a des choses, voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça où on se dit, ouais, quand même, vous avez modernisé le truc. Mais enfin, moi, ça ne m'a pas gênée. Voilà, il y a deux, trois trucs où je me suis dit, ouais, là, c'est quand même gros. Mais, voilà, après, elle passe dans des endroits que je connais.
Elle va de l'Auvergne, de Clermont-Ferrand jusqu'à Royan, elle va de Royan jusqu'au fin fond de la Dordogne, jusqu'à la Corrèze, etc., le Limousin. C'est des lieux que je connais, donc les descriptions me parlent. Les descriptions me parlaient et les photos me parlaient parce que, bah, effectivement, si vous avez des vieilles photos, comme chez moi, on a des vieilles photos. Voilà. Et en fait, quand je voyais ces photos, je m'imaginais ce qu'ils avaient pu ressentir, mes vieux, vieux, vieux. Devant cet homme, je suppose, qui venait avec son drap noir, son truc qui posait, qui faisait poser les gens pendant 1 minute ou autre, parce qu'il fallait pas qu'il bouge, sinon c'était flou, on rappelle. Voilà. Et je me suis. À travers ça, je me suis dit, ah, ça devait être sympa quand même. Voilà. Sinon, je vous dis, j'ai pas été très surprise par le déroulement de l'histoire, mais c'est bien écrit. C'est écrit simplement, gentiment. Il y a des bons trucs. Si vous aimez la photographie, si vous voulez vous renseigner un peu sur ce qu'était l'époque de la photographie et les photographes itinérants, si vous ne connaissez pas, c'est un roman assez sympathique à lire. Le roman de Jeanne, donc de Jérôme Guissoumi. Après, je vous dis, ça révolutionnera pas le genre. Hein. Ok, bah d'accord. Je suis passée donc de la photographie à la Seconde Guerre mondiale, enfin post-Seconde Guerre mondiale, parce que en fait, je connais de nom Daniel Lee, qui est un historien de Seconde Guerre mondiale et qui est notamment spécialiste des Juifs de France et d'Afrique du Nord pendant la Shoah. Et j'avais lu des articles, etc., des papiers et puis des publications qu'ils font en tant que professeur. Et quand j'ai vu qu'il avait sorti ce livre, je me suis dit, ouh! C'est pas mal et tout, je vais lire parce qu'il a donné à Sciences Po et Oxford, je crois qu'il était professeur de. Voilà. Et en fait, ça s'appelle donc Le fauteuil de l'officier SS de Daniel Lee chez Liana Levy, donc on peut pas se tromper, généralement il y a des très bons romans hein, dans cette maison d'édition. Et là, donc c'est lui qui déroule l'enquête historique qu'il va faire parce que lors d'un dîner, une jeune femme lui dit que sa mère a trouvé dans l'assise d'un fauteuil qu'elle a acheté. Des papiers avec le sceau de la croix gammée. Et donc, en tant qu'historien et spécialiste de cette période-là, elle lui dit le nom qui est sur ces papiers, et ça lui dit absolument rien du tout. Et c'est quelqu'un qui a étudié énormément sur cette histoire-là, et notamment, elle lui dit qu'un des papiers évoque Prague dans les années 42-43, etc. Et là, il se dit, attends, j'ai jamais entendu parler de ce type, qui c'est celui-là? Donc ça va le titiller, comme n'importe quelle personne qui aime l'histoire sur le truc, hein, on est bien d'accord. Et donc, il va mener son enquête. Il va aller sur place, en Hollande, puisque le fauteuil est en Hollande, il va voir les papiers et il va essayer de dérouler le fil. Mais le fil, en fait, est assez complexe dans le sens où il n'y a pas de trace de cet homme. Ce fameux Robert Griesinger, voilà. C'est un nazi, oui. Il est un SS, oui, mais ordinaire. Il n'est pas répertorié dans les procès, dans les minutes, dans les gens qui ont été arrêtés, qui ont été. Interrogés, qui ont été mis en prison, passés en procès, tués, etc. Et donc il va remonter le fil. Et au fil, alors aussi le hasard fait bien les choses et ce qui est magnifique quand on cherche, c'est souvent ça. C'est que vous avez une porte qui est fermée, puis il y a une petite lampiote là juste à bas à droite. Ah, vous poussez, puis on vous ouvre la porte. Ça arrive très souvent quand on cherche quelque chose. Et là, il va tomber sur les filles. De Kissinger, et il va voir qu'il y a toute une lignée qui venait des États-Unis. En fait, c'était des Allemands qui étaient partis immigrer aux États-Unis pour vivre tranquille au 18e et au 19e, et qui sont revenus fin du 19e, début 20e, pour une toute autre partie d'ailleurs, et qui se sont établis à Stuttgart, qui ont construit à l'identique la maison qu'ils avaient à la Nouvelle-Orléans, enfin plus ou moins là-bas, enfin dans le coin. Et en fait, il va dérouler la vie de cet homme qui a laissé très peu de traces, mais au fil des entretiens, des gens qu'il rencontre, du hasard de la vie, du hasard d'un ancien combattant qui connaît. Qui connaît, qui connaît, qui connaît, de ces filles qui ont très peu de souvenirs, mais qui vont fouiller
de quelqu'un de sa famille qui va retrouver des choses, mais qui avait complètement enfoui ça. C'est un portrait de ce qui a été la dénazification derrière, pendant une vingtaine d'années où il y a eu la dénazification, puis derrière cette espèce de chape d'oubli. Alors, c'est pas parce que. Enfin, il y en avait beaucoup qui voulaient oublier ce qu'ils avaient fait, mais il y avait aussi de ne pas faire peser sur les derniers-nés, les bébés, la lourdeur du régime nazi et de ne pas plomber, on va dire, une ou deux ou trois générations. Et il va dresser le portrait de cet homme qui, au début, est un Allemand ordinaire, un sympathisant du parti ordinaire, un SS ordinaire, plus on va dire, arrivisme et par volonté d'accéder plus haut, plutôt que par conviction à la base. Et il va dérouler cet homme qui va se retrouver à Prague juste après la mort d'Heinrich et qui va participer volontairement à la machine administrative de guerre, à la machine de déportation de guerre. Et il va faire partie de ces illustres inconnus qui ne sont que très rarement mentionnés dans les livres d'histoire, tout simplement parce que c'était des hommes comme vous et moi, enfin des femmes et hommes comme vous et moi, qui ont alimenté le système, qui ont alimenté le régime, qui ont alimenté les administrations, qui ont fait du zèle, quelquefois un peu comme lui ou pas. Et qui ont œuvré à la machinerie. Voilà, qui ont œuvré à la machinerie pour la Shoah derrière, pour la traque des résistants, pour la déportation, pour l'annihilation de personnes handicapées. Voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est un roman enquête, comme les otages. C'est un roman enquête passionnant. Il ne faut pas avoir énormément de. On va dire de culture sur cette période-là, parce que c'est un prof d'histoire, donc il est assez didactique. Donc il explique quand il y a des périodes ou des trucs troubles un peu, que le commun des mortels ne sait pas ou ne sait pas trop, il explique un peu. Il y a tout ça de notes de page, hein. Donc on voit que c'est un professeur et un historien qui sont passionnantes. Après, voilà, les abréviations, moi perso, ça me sert pas à grand-chose parce que bah, je suis désolée, hein, mais toutes ces abréviations-là, je vous les mets à l'écran. Moi, je les connais, hein, j'ai pas besoin qu'on me les explique. Mais c'est important pour les gens qui connaissent pas. Et il y a toute une note de page, il y a les archives consultées. Je peux vous assurer il s'est pas jeté. Et il y a des photographies. Et donc les filles et la famille a récupéré des photos justement de ce jeune, alors qui était un jeune homme ordinaire, cela c'est cette confirmation. Voilà. Et après on le voit avec sa femme, avec ses enfants, avec ses filles, on le voit en officier, on le voit avec ses parents. Voilà, on le voit avec ses parents et une de ses filles. Voilà, donc c'est un livre enquête sur un homme, on va dire ordinaire, qui est sorti de l'oubli grâce à la réfection d'un vieux fauteuil qu'il avait acheté, lui, à Prague, enfin, en tous les cas, qu'il avait récupéré à Prague, qui avait dû planquer ces documents-là, qui un jour a été disséminé à droite à gauche et qui a atterri dans un salon de quelqu'un, qui un jour en a eu marre que ce soit un peu défraîchi, qui a voulu le faire redécorer et qui a trouvé ça. Vous imaginez, vous achetez un truc un peu rembourré, sympa, un jour vous dites, oh putain, l'assise, elle est moins bonne, je vais le faire rembourrer. Si ça m'arrive à moi, je suis la plus heureuse des filles. Hein. Je vais fouiller comme une dinde. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup aimé le fauteuil de l'officier SS qui est, je vous dis, c'est passionnant. Voilà, parce que c'est aussi sur une famille, tous les non-dits d'une famille qui, à un moment donné, les filles étaient tellement petites qu'elles ne se rappelaient pas du tout de leur père et que personne n'en parlait parce que ben, c'était un peu la honte et que certains n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait fait, donc ben, plus personne ne voulait en entendre parler. D'autres qui en avaient parlé mais qui voulaient plus du tout savoir ce qui s'était passé et puis on avait perdu sa trace. Donc c'est aussi deux filles qui vont reconnecter avec le passé de leur père, même pas brillant, mais qui reconnectent. Voilà. Autre. Alors, non, j'ai lu les BD. Donc j'ai lu les BD, on m'a offert une BD et j'en ai acheté une. Alors, oh ben non, je vais parler d'abord sur ma majesté. On m'a offert celle-là de BD,
qui s'appelle Elizabeth II, God Save the Queen. Donc c'est chez Édition Petit à Petit. Alors je vous laisse lire parce que en fait c'est ces trois personnes qui sont au dessin, au scénario et la dernière à la documentation, donc Bitman. Voilà, donc c'est un livre qui est très didactique si vous ne savez pas trop. Est-ce que vous n'avez pas envie surtout de vous taper une biographie de Pavas? C'est divisé par chapitre qui va de la petite princesse qui est Elisabeth quand elle naît, qui est le joyau de ses parents, de E4, donc S4, comme il s'appelait, et qui, au long de sa vie, qui va arriver jusqu'à. Puisque je crois qu'ils vont jusqu'en mai 2021 ou quelque chose comme ça, juste un petit peu après. Et donc, parmi les trucs très intéressants, c'est que vous avez toujours à la fin des petits chapitres dessinés, vous avez une double page où là vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la reine. Ah bah oui, alors là, oui, c'est l'essentiel qu'il faut savoir sur la reine. Voilà, alors honnêtement, vous êtes bien d'accord, on est bien d'accord que je n'ai absolument rien appris, hein. Mais c'est agréable parce que ça retrace son enfance. Bah, je vous montre le résumé, ça peut vous intéresser. Voilà, ça va de son enfance à mai 2021, un peu plus loin que mai 2021. Donc voilà, ça découpe sa vie, véritablement. Ça n'enlève absolument rien du tout, ça n'édulcore rien du tout. Mais c'est sous forme de dessin. Et. Le Georges V, qu'est-ce qu'il était beau cet homme. Ben, remarquez, c'était le double du tsar Nicolas II, hein, si vous le voyez, puisque c'était cousin germain, c'est les clones. On aurait dit deux frères, je sais, mais bon, impressionnant. Voilà, et vous avez ce genre de planche, vous voyez, quand elle va rencontrer Philippe, comment ça marche, etc. Et au milieu, vous avez les trucs didactiques. Vous avez même, si vous voulez pas vous perdre, un truc qui est très utile, l'arbre généalogique. Bon, après, vous direz. Bibi, elle maîtrise mieux les Windsor que. Quoique, non, ma famille, je la maîtrise quand même. Mais en fait, bon, ça va, je me suis trompée que sur un. Quand j'ai fait le. Vous savez, j'ai fait le blind test. Ouais, j'avais oublié un John, le fils de George V. J'avais. Oh, celui-là, je l'avais complètement paumé. Pauvre gars. Voilà, donc, franchement, si vous aimez la reine ou si vous n'avez pas envie de lire une biographie trop historique, vous avez ça. Voilà. En plus, c'est très agréable. Et puis, vous avez Winston Churchill qui est sous le charme, ce qui était vrai. Donc, ça ne gâche rien. Et autre BD, c'est pour ça que je n'ai pas lu Les Trois Épouses de Blake Nielsen, c'est que sortait le troisième tome d'une BD historique que j'adore. Parce que j'adore l'auteur de ces BD qui s'appelle Olivier Spentels. C'est chez Paquet. C'est celui, très gentiment, qui a fait cette BD sublime dont je vous rabats les oreilles. Mais là, c'est pour l'Africa Corps. Alors, l'Africa Corps, parce que, oui, alors celle dont je vous rabats les oreilles, c'est l'Armée de l'Ombre, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, l'Africa Corps, c'est le 13e tome. Donc, ça s'appelle. Oui, bah, la bataille, elle la mène. Alors, non, si vous savez pas ça, il faut faire les trois BD, hein, je vous le dis. Voilà. Alors, c'est aussi une occasion. Si vous ne voulez pas vous taper les grosses pavasses sur l'Africa Corps, si vous voulez pas vous taper les bios de Rommel, si vous voulez pas taper les bios de Montgomery, ou certaines bios, enfin, en tous les cas, témoignages et vécus, etc., des aides de camp, quel que soit, même les Italiens ont tapé leur truc, les BD historiques sont des bonnes portes d'entrée. Voilà, et celle-ci est sublime. Voilà, alors moi, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Voilà, l'Armée de l'Ombre, c'est une pure merveille sur le front de l'Est. Là, vous avez au début et à la fin, donc épilogue et prologue, qui, à part un historien qui vous explique tout, vous avez la carte, au cas où vous ne sachiez pas ce que c'est l'itinéraire de l'Africa Corps. L'Africa Corps, je rappelle? Non, si. Non, quand même! Bon, si. c'est une unité qui avait été engagée en Nord, enfin, Afrique du Nord, par l'Allemagne, menée par le fameux Erwin Rommel, qui a eu gagné à ce moment-là de cette bataille-là, son surnom
on va dire faussement donné, le renard du désert. Et là, on suit toujours Von Richter, donc un des officiers de l'Afrika Korps, une des unités, qui arrive au moment où les Italiens sont en train de se buter contre trois Français et demi, qui ont tenu très longtemps, d'ailleurs, c'est une des gloires de l'armée française en Afrique du Nord, qui a tenu très longtemps face à ces branques. À pas dire autrement, italien, qui généralement mettait l'armée allemande toujours dans la merde, parce qu'il fallait aller les aider, les nouilles. Donc, ah bah oui, ils nous ont fait ça juste avant Barbarossa, et juste. Ah ouais, non, mais c'était bon. Et on va suivre justement Von Richter et ses hommes et ses potes. De son unité de panzer, etc., à travers les lignes, alors qui enfonce d'abord les lignes et qui ensuite se heurte à un stratège qui est aussi bon que Rommel, qui est Montgomery, qui arrive à enfoncer les trucs. Voilà. Donc on suit, on finit, effectivement, ben, c'est la fin. Hein, voilà, c'est la fin. Tout le monde va être rapatrié, puisque de toute façon, c'est hein, l'épilogue, ben, c'est la fin, quoi. Ils ont perdu, hein, je rappelle. Et il y a une dernière planche. Et là, je remercie le dessinateur, l'auteur. Parce que la dernière planche avait les personnages qui. Ah ben, moi, je les aimais bien. Je les mettais attachés à eux. Donc, quand je les ai vus faire la dernière planche, j'étais émue. Ah si, je vous assure, j'étais émue. Oh, j'ai plus les voix. J'étais à deux doigts de faire la photo, quoi. La photo, et de développer le truc tellement elle est trop bien. J'oserais même pas découper la page pour le. Mais je trouverais que sur mon mur d'inspiration que j'ai, le truc en liage là, énorme, je pense que je devrais pouvoir la mettre, mais ça m'embêterait de découper un si. Non, je ne découpe pas mes BD historiques. Voilà, donc Africa Corps, troisième tome, elle à la main. Je vous montre les trois premiers, enfin les trois. Si ça vous intéresse, donc le premier c'est celui-là, deuxième au milieu, et donc forcément, voilà. Donc la série est complète, et vivement la prochaine série de Olivier. Alors après, j'ai pris ce livre parce que, il faut avouer, parce que j'ai vu dans le résumé Belfast. Oui, la nouille. Bah oui, que voulez-vous. Donc j'ai lu Jean du Nord, donc de Perrine Leblanc chez Gallimard. C'est une auteure canadienne québécoise. Lors du dernier live, on en a parlé justement avec les Québécoises qui étaient présentes, donc Véronique et Karine. Coucou les filles, qui avaient beaucoup aimé. Alors, connaissant quand même les goûts, notamment de Mademoiselle Karine et maintenant un peu de Véronique, je me suis dit, ouh, j'ai donc le nez creux. Alors, j'ai eu le nez creux, mais pas trop. En fait, on est en présence de deux journalistes, un qui est français, qui s'appelle François, qui a bourlingué un peu à droite à gauche, et elle qui est québécoise, et qui va arriver, qui va revenir, en fait, qui est canadienne, québécoise, qui va revenir sur les terres de ses ancêtres, de sa grand-mère, qui était irlandaise. Et donc, elle se sert du conflit d'Irlande du Nord, etc., pour revenir sur ses terres ancestrale, et elle va rencontrer ce fameux François, va se nouer entre eux une relation fusionnellement, amoureusement, amicalement, tout à la fois. Assez étrange d'ailleurs, ça tombe un peu, enfin pour moi c'est tombé un peu comme le cheveu sur la soupe, alors c'est un coup de foudre que j'ai pas compris dans le bouquin, voilà. Et en fait, on suit donc l'itinéraire de cette journaliste qui vient enquêter sur la mort d'un écrivain nord-irlandais qui a été abattu par les loyalistes, qui est revendiqué par évidemment nos amis de l'IRA, enfin nos amis, ah voilà, par l'IRA, et qui en fait en font un martyr alors que le mec. Rien à carrer, quoi, en gros. Il avait son plus ou moins choisi, pas son camp, mais il était. Il appartenait à un camp, oui, parce que là-bas, vous êtes ou ça, vous n'êtes pas trop au milieu. Enfin, sauf moi qui étais un peu au milieu, quoique non, pas vraiment, mais bon, bref. Et en fait, entre l'enquête de ce vieux journaliste, enfin ce vieux, non, il n'est pas vieux, il doit avoir 35 ans, mais rodé journaliste qui allait sur tous les fronts, qui est allé à la droite, à gauche, qui connaît les guerres, qui connaît très bien l'Irlande du Nord et la guerre civile, etc., les guerres de religion qui viennent par derrière. Vous avez tout ça. Moi, je pensais plonger dans véritablement une traversée là-dedans, même si c'était avec des journalistes, tant mieux. Et l'auteur, en fait, accumule pour moi
accumule les données qui pour moi étaient déjà assimilées, comprises depuis des nombreuses années. Et je pense que c'est ce qui m'a déroutée de ma lecture, parce que la plume est fort jolie, l'histoire se tient, c'est très agréable à lire. Honnêtement, c'est un bon roman, très bon roman, mais j'ai décroché assez rapidement, même si elle revient sur des trucs. À un moment donné, il y a un autocar qui part de Dingle. Oh, je connais ces autocars qui partent jamais à l'heure. C'est l'horreur, mais c'est agréable, mais c'est l'horreur. Non, mais c'est vrai. Mais elle accumule tout ce que moi je sais. C'est-à-dire que j'avais pas besoin qu'on m'explique qui était Bobby Sand, j'avais pas besoin qu'on m'explique qu'est-ce que c'était les H-Blocks, j'avais pas besoin qu'on m'explique le côté loyaliste et l'IRA, ni les ramifications entre l'IRA et le TA, ou en tous les cas les petits arrangements entre terroristes, enfin terroristes. Ça dépend de quel côté on se place. Enfin bref, entre groupes armés, parce que c'est un peu dit comme ça, c'est pour ça que je le dis. Tout ce qui est aussi les subtilités avec les noms, selon comment vous prononcez le nom d'une commune, vous savez de quel côté les gens se positionnent. Elle prend l'exemple type de Derry, où elle explique que, en fait, si vous êtes du côté britannique et vous êtes côté loyaliste, vous allez dire Londonderry. Si vous êtes du côté Irlande, enfin République irlandaise de l'air, ou que vous êtes nord-irlandais, catholique, etc., vous allez dire Derry, ou selon le parti que vous avez pris, vous allez dire Londonderry ou Derry. Ça, c'est des choses que je connaissais. La Révolution irlandaise, je connais les noms, j'ai pas besoin qu'on m'explique les strates des deux côtés. Voilà. Et c'est ce qui m'a un peu perdue, parce que c'est dommage, parce qu'elle explique le cheminement du pays, et il n'y a rien de plus beau, et je pense que, enfin, je m'attendais à quelque chose de plus émouvant, de plus prenant, de plus attachant. Je ne me suis pas attachée au personnage, les deux, vraiment, à aucun moment. Et je suis donc, j'ai lu en étant détachée de ces gens-là, en me disant, ouais, ok, d'accord. Et là, ça m'a gênée, parce que même si j'ai apprécié ma lecture, j'en ressors pas avec une trace indélébile, comme vous pouvez ne... Enfin, comme vous n'oublierez jamais si vous faites ces traversées de est en ouest, nord en sud. Donc si vous partez de Derry et que vous allez à Heathrow près de Belfast, ou que vous partez de Ballymoney et que vous allez, je sais pas moi, à Enniskillen par exemple, ou que si vous partez de Ballycastle et que vous allez à Newry, automatiquement vous allez imprégner des endroits, des lieux, de la Cambrousse, hein, quelquefois, mais aussi des panneaux, des choses qui marquent l'histoire de l'Irlande du Nord, l'histoire de l'Irlande, de la Révolution irlandaise, de la séparation, de tout ce qui a été une plaie, et qui est toujours une plaie ouverte en Irlande du Nord. Et donc j'ai été un peu déçue par ça. Voilà, je dois avouer que j'ai été un peu déçue, et c'est dommage, parce que la plume est belle, que malgré toute la tendresse que j'ai pour ce coin de monde, bah, j'ai pas ressenti d'attachement au personnage, et que alors il y a une grosse pudeur de l'auteur, je pense, dans sa plume, qui fait que elle survole quelquefois, parce qu'elle n'ose pas y aller. Je pense que c'est une grosse pudeur de sa part. Et je l'ai pris comme ça après. C'est-à-dire, quand j'ai eu fini, je me suis... Puis, en réfléchissant, je me suis dit, je pense que c'est plus une pudeur, vraiment, quelque chose qui lui tenait à cœur énormément, du fait de ses ancêtres. Et donc, elle se projette là-dedans. Et donc, forcément, il y a quelque chose. Voilà, expliquer pas mal de trucs. Il y a des clichés aussi sur la France, sur les bars, sur les hôtels, sur les petites chambres, sur ça ici, etc. Voilà, c'est des choses. Je pense que c'est vu de quelqu'un d'étranger, quand vous êtes du pays et qu'en plus vous connaissez l'endroit où on va vous mener. C'est un peu compliqué de se jeter dedans. Par contre, si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez pouvoir vous jeter, que vous allez beaucoup aimer, comme mes deux petites Québécoises. Non, je vous assure, hein, franchement. Mais je vous dis, voilà. Alors, par contre, je sais qu'elle a écrit un autre qui s'appelle Malabour.
et Kolia. Et donc, il faudra que j'en lise un des deux. Je pense que je lirai Kolia parce qu'il m'attire plus par rapport à ce que j'en ai lu. Parce que la plume est très belle. Donc, je veux savoir ce qu'elle écrit autre que sur ce genre de choses. Je suis très chiante sur cette partie du monde. Il y a des endroits où, voilà, si vous voulez connaître Belfast et tout ce genre de trucs avec tout ce qu'il y a autour, lisez Robert McWilliam Wilson, n'allez pas ailleurs, quoi. Cherchez pas, si à la rigueur, Paddy Doyle ou Sir Charlandon, etc. Mais voilà. Alors, j'ai lu, on va dire c'est un coup de cœur, et il va atterrir dans les 15 derniers de l'année. C'est un roman, je ne sais même pas comment je peux. Je ne sais même pas comment je peux expliquer ce truc-là. C'est-à-dire que c'est un roman dont vous ne pouvez pas sortir indemne. Alors que vous aimiez ou pas, que vous abandonniez ou pas, ou que vous plongiez en vous disant ah, il est génial, ou vous sortiez en disant ouais, bah, tout ça pour ça. C'est un roman qu'il faut lire. Bon, ça c'est fait. Et moi, quand je l'étais sortie en brochet, je m'étais dit oh, je veux le lire, je veux le lire, je veux le lire. Et puis vous connaissez la bête, il y en a un autre. Et puis moi, j'achète pas mes livres en avance. Puis je me suis dit oh, il va sortir en poche rapidement puisqu'il a commencé à avoir un beau succès. Donc je me suis dit on va pas s'emmerder, on va l'acheter en poche. Il est sorti, je le lis. Donc ça s'appelle Amnette. Donc c'est chez 10-18 Maggie O'Farrell. Alors on est là au 16e siècle. En Angleterre, dans une ruralité qui est pas fort joyeuse. Ah bah le 16e en Angleterre, c'est pas top, hein. Voilà, et bon comme en France. Et en fait, on est avec une famille dont le papa vit et travaille à Londres. Il reste que la mère et ses trois enfants, des jumeaux et une sœur aînée. Et quand et ça, elle a des dons de guérisseuse, elle travaille avec les plantes, voilà, elle est, oui, elle pourrait être entre une sage-femme et une guérisseuse, et aussi elle a de sa famille des ruches, enfin son frère a des ruches, ils sont propriétaires terriens, etc. Et donc ce jour-là, elle s'est absentée pour travailler sur les ruches de son frère. Et nous, quand le roman s'ouvre, en fait, c'est un petit garçon qui est seul dans la maison avec sa sœur jumelle. Et en fait, elle est malade, la petite Judith. Et donc, il est très inquiet, Amnette. Donc, il va commencer à crier dans la maison. Il va demander sa maman, sa tante, la sœur, les cousins germains. Il n'y a personne qui lui répond. Donc, voyant que sa sœur n'est vraiment pas bien du tout, du tout, du tout, et qu'elle est fiévreuse et qu'elle se sent pas bien suite à une. Voilà, ils sont rentrés précipitamment et on va la prendre. Il va partir dans la rue pour aller chercher sa famille. Mais c'est un petit garçon qui est un peu rêveur. Donc, bah, il part en courant parce que c'est sa sœur qui est malade. Puis tout d'un coup, il voit un truc, ça le perturbe. Il voit un oiseau, il s'arrête, il regarde l'oiseau, puis il oublie pourquoi il est là. Puis tout d'un coup, il se rappelle et donc il repart. Et il va rentrer à la maison sans avoir trouvé personne, alors que sa famille n'est pas trop trop loin. Et nous, on va suivre, l'auteur fait en parallèle la vie de sa mère, de Agnès, et la trajectoire de ce garçon. Et on alterne entre deux périodes qui sont très très bien huilées, qui se fondent à l'intérieur l'une à l'autre. Et alors là, je peux vous assurer, c'est rare d'avoir ce genre de huile comme ça. Et on découvre une jeune femme, une jeune fille, qui tombe amoureuse du prescripteur de latin, qui va vraiment être folle amoureuse, va mettre la charrue avant les bœufs, et donc va l'épouser un peu, pas contrainte et forcée, parce qu'elle voulait l'épouser lui aussi, mais bah, les familles sont pas très très. Bah, à l'époque, hein, ça. Ouais, on est bien d'accord. Voilà. Et que lui, ben, en gros, c'est pas un foudre de guerre, visiblement. Personne ne le comprend. Mais elle voit au-delà. C'est-à-dire qu'elle a non seulement la capacité de guérir, mais aussi elle a la capacité de détecter dans les gens quelque chose que les autres ne voient pas. Voilà. Elle a un œil qui sonde l'âme, si vous voulez. Et on suit le déroulement de leur histoire, de leur vie, du fait que lui, à un moment donné, il va partir. Et puis, le premier enfant dont elle donne naissance dans la forêt toute seule. Et puis, tout d'un coup, ses jumeaux qui arrivent alors qu'elle ne sait pas qu'elle en attend deux. Alors que là, elle est un peu perturbée parce que, ayant compris, enfin, ayant ce don-là de pouvoir voir à travers, elle ne décèle pas.
Et parallèlement, on suit donc Hamnet avec sa sœur. Et puis quand sa famille va rentrer, eh bien, tout de suite, on s'aperçoit qu'elle a quelque chose qui ne va pas. Elle a des bubons et donc c'est la peste. Et donc tout le monde commence à brûler de la sauge, les machins, enfin, de l'époque, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Le docteur arrive et on va suivre ce rapport-là entre les deux enfants. Entre la mère et ses enfants, entre la mère et son mari qui est loin, qu'elle fait prévenir que sa fille est au plus mal et que ça va mal se terminer. Et il y a un pacte à un moment donné qui vous arrache le cœur et tripe les boyaux, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, même si vous pouvez penser, mais vous ne voyez pas arriver, c'est le gros machin qui vient de. Le gros machin que vous avez entendu, c'est. Pratique hein, de faire oui ben casse-toi t'as raison et donc ah bah ben, c'est là que du chat pardon désolé je le pousse parce qu'il va encore me mordiller et en fait vous voyez arriver ce truc petit à petit doucement et alors je vous dis ça vous arrache le cœur parce qu'à un moment donné vous dites non c'est pas possible et tout d'un coup, vous savez qui est le père. Alors, si vous savez, parce que tout le monde l'a spolié, en gros, c'est William Shakespeare. Et si, comme moi, vous connaissez votre petit Shakespeare illustré, que vous avez lu beaucoup, beaucoup, et que Hamlet fait partie de ceux que vous aimez beaucoup, et que vous avez compris dès assez rapidement que cette tragédie-là, contrairement à ce qu'il faisait avant, était quelque chose de drame, plus ou moins familial, etc. Et Hux vient de monter sur la table. Bougez pas. Non, tu descends! Tu descends! Bougez pas, je reviens. Non, non, parce qu'il vient de me faire engueuler. Si vous entendez un chat qui gueule, c'est il râle parce que je l'ai fait descendre dans la table. Non, mais oh! Soit un chat bien élevé. Je suis pas sûre. Il est bien élevé, mais bon. C'est un chat, quoi. Voilà, donc c'est un livre vraiment qui m'a renversé. Voilà, j'ai trouvé ce livre beau, touchant, avec ce part de mystère et de magie et de guérison de plantes, de parler à la nature, etc. Et puis ce côté tragédie derrière, d'une histoire d'amour qui est quand même à la fois belle et tragique, de ce lien entre les frères et sœurs qui est quand même aussi beau, mais qui est quand même tragique aussi. Et toute la puissance que Shakespeare va mettre aussi dans sa plume. Et ça se comprend assez bien. Alors après, l'auteur, elle explique, hein, c'est une fiction, donc, mais elle a creusé aussi parce que, bah, en gros... on ne sait pas grand-chose de ce petit garçon qui s'appelle Hamnet. On ne connaît pas beaucoup de choses sur sa fratrie. On connaît un peu sa mère, Agnès, qui est très souvent dit comme Anne. Dans le truc. Mais elle a trouvé un testament de quelqu'un de sa famille qui l'appelait Agnès. Donc, évidemment, elle devait s'appeler Agnès à la base, mais tout le monde devait l'appeler Anne. À l'époque, les noms étaient assez faciles, sachant que dans l'Angleterre du 16e, Hamnet et Hamlet, c'est exactement la même orthographe. Voilà. Donc, honnêtement, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça magnifique. À la fin, j'étais toute émotionnée. Voilà, j'étais toute révolutionnée. J'ai trouvé ça très, très beau. C'est pour ça que j'ai dit que ça va être un livre. Qui à part. Voilà, c'est un livre dont on ne peut pas ne pas se souvenir ou sortir indemne. Et puis c'est une belle plume. Voilà, c'est vraiment une très belle plume qui vous donne envie, alors pour ceux qui connaissent pas, d'aller lire Shakespeare et pour moi d'aller me jeter sur Shakespeare. Voilà, sachant que juste après, j'ai eu une folle envie de relire non seulement Hamlet, même si je l'adore, parce que je l'ai lu deux fois. Et je l'ai vu deux fois sur scène, dont une fois avec Jude Law à Londres. Excusez du peu. Mais j'ai eu envie de relire beaucoup de bruit pour rien, que j'adore. Donc, voilà, je le ferai hein, l'année prochaine. Cette année, c'est un peu mort. Mais l'année prochaine, je le ferai, j'adore.
Voilà, donc Maggie O'Farrell, Amnette 10-18, bah, si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas. Et on finit par une petite biographie assez courte, et je remercie Adri, lors de la lecture commune de Persuasion cet été, qui l'avait récupérée et qui nous a dit « Oh, j'adore, j'adore !» Et connaissant les goûts d'Adri, je ne me pose aucune question, j'achète. Ah bah, c'est comme ça. Voilà. Fiona Stafford, donc ça s'appelle Jane Austen, une passion anglaise, sachant que Madame est professeure à Oxford de littérature, et que en fait, en gros, la traduction française est pas la bonne, parce que en anglais c'est a brief life, donc une vie, une courte vie. Là, une passion anglaise, je dois avouer qu'il va falloir encore que je comprenne des trucs, moi, quand on traduit des titres, mais bon, c'est pas grave. Alors, le seul truc qu'il faut quand même, je pense, pour lire ça, c'est avoir au moins lu un Jane Austen dans sa vie. Parce que c'est vraiment une biographie comparée au livre, enfin croisée et comparée avec l'œuvre de Jane Austen. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur l'œuvre de Jane Austen. Et de ce qu'elle sait, on sait de sa vie, pour apporter du grain à moudre aux intentions de l'auteur, aux intentions qu'elle a voulu faire transparaître de cette société-là, de ce qui était les pour et les contre de ce qu'elle, de sa société, de sa caste à elle, de son niveau à elle. Et moi, alors c'est court, hein. Voilà, on est bon, on est bien d'accord, mais je trouve que ça, bon, alors, premièrement, c'est intelligent, il n'y a pas à tortiller. Et puis c'est bien foutu parce qu'elle parle de tout, de la valse des sentiments, de comment elle a écrit Mansfield Park, Emma, enfin bref, elle fait une étude comparée de tous les romans de Jane Austen, y compris de bon, on va dire de celui que j'aime, d'amour, qui est Persuasion. Voilà, mais vous avez tout. C'est-à-dire que vraiment, c'est à travers les mots de Jane Austen, elle est arrivée à ressortir, on va dire, la substantifique moelle de tout, du fait que sa sœur Cassandra a été quand même une inspiration énorme pour certains personnages. Voilà, donc si vous êtes une fan de Jane Austen et que vous avez envie de lire ce genre de choses, ben, vraiment, allez-y. Parce que c'est vraiment délicat comme portrait, c'est vraiment bon, c'est un prof, hein, donc c'est très beau. Fiona Stafford, donc Jane Austen, une passion anglaise, en plus c'est au livre de poche, hein, donc vous n'allez pas vous ruiner. Franchement, c'est un très très beau livre. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé me replonger dedans. Après, je vous dis, voilà, c'est un prof de littérature romantique à Oxford, hein, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. On est bien d'accord. Moi j'aime bien. Oui, oh bah, je fais ce que je peux déjà, hein, voilà. Et Hux vient de me mordiller le papouille. Il vient de me lécher l'orteil. Ah, oh, je déteste. Hux, arrête de faire ça, tu sais que j'aime pas. Voilà, donc ça, c'est Jane Austen. Ensuite, j'ai lu et coup de cœur de la... enfin, un des coups de cœur de l'année. Donc, Amnette, Maggie O'Farrell, 10-18. Je les mets là, comme ça, je les garde. Ensuite, j'ai lu Jean du Nord, donc de Perrine Leblanc. Les deux BD, donc le troisième tome de l'Africa Corps et Elisabeth II, God Save the Queen et comment d'ailleurs. Ensuite, Le fauteuil de l'officier SS de Daniel Lee, Le regard de Jeanne de Jean-Guy Soumi et donc le premier qui était donc un reliquat de septembre, donc les otages contre-enquête d'un butin colonial de Taina Tervonen. Voilà, tout ça, c'est ce que j'ai lu au mois d'octobre. Bon, moi, je suis assez contente de mon bilan, je dois avouer, parce que je ne pensais pas lire autant. Mais je suis, voilà, je suis... alors, y a des périodes, je ne sais pas vous en ce moment, bon, il y a des périodes où je vais enquiller le matin, le soir, sans m'arrêter, et puis il y a des soirs où j'ai pas du tout envie de lire. D'ailleurs, ce soir où je tourne, je ne lirai pas parce que je vais finir une série parce que j'ai envie de la regarder. Parce que je suis tombée dessus par hasard et que l'acteur j'avais bien aimé. Donc je me suis dit, oh bah tiens, ça a l'air sympa. Et effectivement, le premier épisode était sympa. Voilà, donc je suis contente. Là maintenant, je suis au repos jusqu'au lundi.
Oui, je suis au repos. Jusqu'au lundi, parce que j'attaque le Black November. Donc, comme toutes les années, je fais une petite pause avant le Black November. Donc, évidemment, je vais enquiller des documentaires, des séries. Ce qui va me donner évidemment la possibilité de vous en parler à la fin du mois de novembre de ces séries, de ces documentaires et peut-être films, je sais pas. Après, j'ai une belle palle aussi hein, fournie sur The Black November, moins les 2 premières semaines. Je dois avouer que les 2 premières semaines, j'y suis un peu légère, mais après, j'ai attaqué à 2 livres par semaine et c'est de pas vaste, hein, donc je vais pas m'ennuyer, moi, voilà. Mais bon. J'aime ça, j'aime ça. Donc quand vous aimez, vous tortillez pas. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo pour la pile à lire de The Black November. Et puis après, je sais pas. Vous verrez bien. J'ai une idée de vidéo pour les chaînes hors livre que j'aime bien. Regardez, peut-être que je vais la faire. Je sais pas. Vous savez, je fais un peu ce que je veux en ce moment. Voilà, c'est comme ça. Allez, passez un bon week-end, passez un bon 31 octobre, un bon Halloween si vous le fêtez. Sinon, le 1er et le 2, pensez à tous ceux qui nous ont quittés. Et puis, qu'est-ce que. Eh bah, ben, regardez un film de River Phoenix le 31, ça me fera plaisir. Parce que moi, c'est ce que je ferai. C'est River. Petit cœur. Voilà. On va pas commencer, tu vas pleurer, Lisa. C'est pas bien, ça. J'aurais peut-être pas dû. L'engueuler parce qu'il me regarde méchamment. Il me saute dessus. J'ai peur. Bon, je m'en casse parce qu'il y a le ex qui me vit comme ça. C'est pas bon signe, hein? Aïe, aïe, aïe.